Et ça tout le monde, c'est Azure Expiration, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 230 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent où on avait continué un petit peu notre valve de Noa Korogu avec, dans lequel il faut tout simplement trouver son ami, enfin la porte à son ami tout simplement. Et du coup, ben, on en avait, voilà, on avait bien continué d'ailleurs. Vous pouvez voir que du coup on a même fait ce magnifique pont en bois, hein, avec des troncs d'arbres. Voir passer, et aujourd'hui on va tout simplement s'attaquer aux points d'intérêt un petit peu, donc les points d'intérêt que j'ai tout simplement mis, donc vous voyez des, comme ça avec des feuilles, donc c'est représenté par des feuilles, donc on va essayer tout simplement de les faire. Voilà, genre on en a une là aussi. Alors, oui, là je crois que c'était un puits si je dis pas de conneries, donc voilà, on va essayer de faire ça tout simplement aujourd'hui. Donc voilà, donc des fois ça peut nous amener à des grottes comme des fois pas, donc voilà, c'est pour ça qu'on va faire ça comme ça. Donc là c'était une grotte aussi il me semble, donc bah écoutez, on va profiter, hein, on y va. Voilà, on y va. Donc là, ça nous permettra peut-être de découvrir de nouvelles grottes, d'avoir des cristaux d'Elusis. Hein. Je vous rappelle que le but est aussi d'avoir des cristaux d'Elusis. Et du coup, ben, let's go. Donc voilà, et après, par contre, dans l'épisode prochain, on fera certainement des quêtes secondaires. Voilà, donc en tout cas, on ira prendre toutes les quêtes secondaires de tous les relais actuels qu'on a débloqués. Enfin, qu'on a débloqué entre guillemets, vous comprenez, quand je dis débloqué. Pour du coup réussir à avoir les... Alors, quand je dis toutes les quêtes secondaires, c'est concernant simplement les photos à prendre. Donc voilà, ça peut être bien. Donc on fera, voilà, on fera ça. Et encore parce qu'on n'a pas fini en termes de relais. Hein. On peut voir que du coup, il y avait un relais qu'on avait entreperçu ailleurs. Je sais qu'il y a un relais dans la forêt de Firon, tout simplement. Donc voilà, donc y a encore plein de choses. Alors non, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre. Non. Alors par contre, c'était là-bas. On va essayer d'y aller. Voilà. Alors certainement, il y aura d'autres grottes ici, certainement, que j'ai pas indiqué. Hein, que j'ai... Alors oui, on l'avait indiqué, mais enfin, on l'avait déjà faite. C'est là où il y avait le sanctuaire. Mais il y en a certainement qu'on en a oublié et même passé devant sans les marquer. Mais ne vous inquiétez pas, on les fera, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, dites-vous que quand tu donnes à un arbre chéri quelque chose, bah en fait toutes les grottes sont signalées, donc en fait ça permet de te les repérer. Et du coup, bah écoutez, oulala. Ok. Nouveau. Grotte du sud de Yun et compagnie. J'arrive les amis. Je me disais... Hop, voilà, me revoilà, c'est bon. Je me disais plus que personne n'y allait, j'allais y aller. Alors grotte de Yun et compagnie, c'est hein. D'accord, grotte sud de Yun et compagnie, d'accord. Alors du coup, bah let's go, on va y aller. Alors qu'est-ce que... Ok, oh là là. Alors, les 3 gobelins, ça faisait longtemps, tiens. Ok, 3 gobelins d'argent. Oh, ok. Alors, on va utiliser une arme à 30 pour le défoncer. Alors, par contre, ne te fais pas tomber dans la lave. Juste pour récupérer les matériaux, quand même, ça serait un petit peu débile. Allez. C'est bon. Ok. Merci. Alors par contre là il y a beaucoup de choses. Regardez. Alors du coup là-bas il y a une structure. Ok, je vois pas pourquoi mais... Alors je sais pas, c'est ce que... Il y a un autre côté, genre... Est-ce qu'on peut y aller à pied? Ouais, on peut y aller à pied, je pense, non? Après, il y a un côté là. Vous savez quoi? On va d'abord faire ce côté-là. Il est où, Yonobo? Il est là, Yonobo. Allez, viens. Ah, d'accord, c'est juste pour un véhicule pour pouvoir passer de l'autre côté. Ok, bon, pour le moment, on n'a pas vu l'Illusis. Mais ça serait tardé. Ok, donc là il y a des pneus. Il y a des pneus. On va aller... Non, c'est les roues droites du coup pour celui-là. Du coup, vu qu'ils veulent les roues droites, on va mettre les roues droites. Voilà. On va remettre d'autres roues droites si possible.
Oh con. D'accord. C'était violent. Tac. Ok. Ensuite, le petit truc pour peut-être éteindre la lave. Je sais pas pourquoi on en aurait besoin, vu qu'une fois que c'est dans l'eau, enfin une fois que c'est sur la lave, c'est bon. On va quand même le mettre, on sait jamais, mais peut-être le mettre devant. C'est bien, voilà. Et ça va peut-être pour avancer peut-être un peu plus vite, mais alors peut-être un peu mieux quand même à Zurich. Voilà. Parce que là, on est bien équipé. Allez, on l'amène. Donc là, du coup, en fait, il nous faudrait des illusions. Il faudra encore trouver. Ah, donc là, on va pas faire ça. Et du coup, on y va. Ah, ça avance bien, c'est bien. À mon avis, c'est qu'on peut faire ça. Là-bas, il y a quelque chose. Ok, là-bas, il est certainement là-bas, l'illusis. Il est certainement là-bas, l'illusis. Bon, déjà, il y a un coffre, déjà, pour commencer. Un coffre important. Oui. Ah, d'accord. Bah super. Je vous dis. Ah, parce que je collectionne les manettes gaulois en fait, tout simplement. Et en fait, je pense que vous avez, c'est la carte de France quoi. Et évidemment, je l'ai déjà. Super. Et putain, j'ai. Les boules. les boules. Alors, du coup, il y a quoi là-dedans? Coiffe de brasier attaque, feu, chaleur, plus de défense. Autrefois portée au cours d'anciens rituels, cette coiffe retire la chaleur et permet de générer des attaques enflammées quand elle est exposée à un environnement très chaud. Bah écoutez, ça nous fait plaisir. Après, on va aller à droite dans la petite grotte là. Ah, je pense qu'on peut y aller à pied en fait. Ah, come on. C'est vrai que c'est pas le même bouton pour descendre. Voilà, donc c'est... Oh putain, je suis con. Ah oui, je mets les pieds dans la lave. Ok, on peut y aller ce côté-là. Ouh là là. L'épée de légende a retrouvé son pouvoir. Juste, je veux récupérer ça. Ça, vous voyez, dans les profondeurs, c'est très très bien. On en a toujours besoin. Par contre, j'en ai marre de me brûler. J'en ai marre de vraiment de me brûler. Ah, l'illusis. L'illusis. Cristal d'illusis, une faible lueur bleutée émane de ce cristal mystérieux que l'on trouve sur les illusis qui vivent dans les grottes. Quand on obtient un, je cherche souvent à trouver davantage. Ok, donc il n'y a plus d'autres sorties excepté celui-là. Donc on va pouvoir enlever ça. Donc le prochain truc c'est ici. Donc on va se téléporter là directement. Let's go. Même ici, il me semble qu'on a oublié un des sanctuaires. On en avait déjà aperçu, mais... Pas grave, pas grave. Alors, du coup, déjà, il y a la petite grotte. Alors, en bas, on va valider le truc. Non, on va directement aller monter là. Comme ça, après, on pourra descendre directement dans la grotte. Oh oui, ok, il y a... Oh, bah je l'ai jamais fait. Bah écoutez, c'est le moment. C'est le moment ou jamais. Ah c'est vrai qu'il y avait la giga grotte aussi, dans la mine là. Je sais pas où c'est exactement, mais... Genre t'arrives normalement, je sais plus où c'est. Je crois que c'est devant, il me semble que c'est même ici, si je dis pas de bêtises. Eh oui. Donc là, bah écoutez, on va le faire. Consigne de sécurité pour les travailleurs iliens. Interdiction de pénétrer dans une grotte sans être muni de protection anti-feu. S'il n'y a plus de remède inifus fourni en préparer davantage avec les arinifus et des matériaux de monstres. Se bénit en veillant à bien se plonger dans l'eau jusqu'aux épaules. Tout accident du travail doit être signalé sans délai au siège de la compagnie à la mine du Nord. Ok. Alors, la mine. Nouveau. Tunnel est du restaurant. Vous pensez qu'on peut essayer de... On n'a pas de main carte à côté. Y a pas de main carte. Là, y a pas de main carte, bon tant pis. On va y aller à pied. On va y aller à pied. Ah, on pourra peut-être pas aller à pied finalement. Ah oui, on pourra peut-être pas. Ah si, on peut y aller à pied comme ça en fait. C'est quand même bien pensé quoi. Tac, voilà. Réanimos, délimos. Ok. Voilà, on jette quand même un coup d'œil de partout, savoir si on oublie rien quand même. Ça serait un petit peu con.
tunnel est du restaurant. Donc là, du coup, c'est le tunnel du restaurant. Ok, donc là, il y a le main cart, si jamais on en a besoin. Oh, j'utilise ça vraiment pour buter ça alors que j'ai ça. Putain, je vais me tuer. Ok, donc là, il y a de la savouroche. Mais c'est tout. Yunobo. Viens ici, toi. Non, c'est bizarre. Y a que ça? Mais il est où le cristal d'Illusis? Le cristal d'Illusis. Ah, d'accord. Oh, sorry, j'ai même pas vu. Yunobo. 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 Oh, fuck. Alors, attendez. On va faire un truc. Putain. Ah, normalement, du coup, je peux utiliser mes flèches bombes. Par contre, j'en ai plus que deux, hein, donc... c'est un peu moyen, mais bon, tant pis. Ok, là, il y a un coffre qui contient... Rubis brut, une puissante attaque en amalgame, ce précieux minerai qu'on peut extraire de veines minérales, présente une grande valeur marchande, il abriterait la puissance des flammes. Ouais, d'accord, mais... ça me dit toujours pas où elle... où je dois aller. Il y a une zone comme ça. Ah ah, c'est chelou. Tunnel est. Bah, c'est qu'il y a un tunnel ouest. Si on est d'accord que. Y a rien. Ah si, y a un truc dessous là, j'ai même pas vu. Putain. Ok, ok. Déjà, y a un coffre. Il y a aussi ça. Ok, ça c'est pour ressortir, on sait jamais. Yunobo, tu peux venir ou pas? Il a pas l'air d'être décidé. Propulseur artefact Sonao qui fournit une grande énergie de propulsion sur un laps de temps très court. Merci. Ah, l'Illusis. Merci. Cristal d'Illusis, une faible lueur bleutée émane de ce cristal mystérieux que l'on trouve sur les Illusis qui vivent dans les grottes. Qui en obtient un cherche souvent à trouver davantage. Ombre brute. Oh, pas le brut. Ok. Bon, du coup, là, on va pouvoir partir de cette zone. C'est bien, on explore pas mal de petites grottes, vous voyez. On explore, hein, petit à petit. Ok, nous sommes là. On est là. Oh, salut vous. On se perd ici un peu. Tech, voilà. C'est ce côté-là. Alors, c'est vrai qu'on pourrait peut-être se mettre dans les eaux. Parce que le temps de restaurer la vie, il y en a pour un milliard d'années. Hein. Bon, tant pis. À la limite, c'est un sanctuaire, mais... Tunnel de marteau, c'est là-bas. Normalement, c'était à côté, c'était en bas. Si je dis... Oh putain. Vraiment, mais mon orientation sur un jeu vidéo, c'est éclaté au sol. Hein. Mais éclaté au sol, quoi. Aïe, 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 aïe. Donc c'était légèrement sur notre gauche. On avait trouvé une grotte. Donc c'est... Oui. Ah oui, Mams. Mams. Oui, ça mange. Comme ça au moins. Tac. Alors, du coup, elle est là. Mais attendez, mais pourquoi je l'ai noté? Mais c'est pas une grotte. Attention, ne pas se faire baiser. En fait, c'est pas une grotte. Mais pourquoi j'ai noté ça? J'ai peut-être cru que c'était vraiment une grotte, mais... Parce que je l'ai noté là, hein, donc... Alors, c'est peut-être un peu plus loin.
Non, même pas. Hein. Non, non. Bah écoutez, il n'y a pas de grotte ici. Il n'y a pas de grotte ici. C'était peut-être la fake grotte que je me suis dit, peut-être c'est ici, mais non. Opale. En bruit, ok. Bon, bah écoutez, ça c'est fait. Alors on a ici, mais on ira peut-être un peu plus tard. On a celui-là. Ah, celui-là, on pourrait essayer. Enfin, on va juste valider l'entrée, tout simplement. Et puis je pense qu'après, on pourra partir sur la grotte dans laquelle qui nous mènera certainement au sanctuaire dessous la le plateau du prélude. Vous voyez ? Ça peut être bien, comme ça au moins on fait le sanctuaire aujourd'hui, après on s'arrêtera là. Je pense que ça peut être une très très bonne idée. Bon, mon orientation qui est éclatée au sol encore comme d'habitude, on va mettre ça là. Merci. Ben, c'est vrai qu'il nous faudrait aussi mettre... On va les enlever les valises. Donc c'est un peu plus... Voilà, un petit peu plus en bas. Ah, c'est juste qu'on avait oublié de valider en fait l'entrée, tout simplement. Pour avoir toute la carte à 100%, ce serait quand même bien de tous les faire quoi. Même les entrées de grotte. Oh, peut-être ça sert à rien pour le 100% réellement du jeu, mais je veux dire qu'au moins, c'est quand même bien quand même. C'est quand même pas mal. Normalement, c'est un peu plus bas si je dis pas de bêtises. Là. Et... Voilà, vous avez vu, on l'a validé, ça coûtait rien. Oh, par contre, je crache pas dessus. Hein. Ouais, on n'est pas venu là pour rien, voilà. Vous allez me dire, on n'est pas venu là pour rien, regardez. Tac. Ça, on récupère. Hein. Voilà. Alors, du coup, ça, c'est fait. Et du coup, celle du plateau de prélude, voilà, qui est là, le plateau du prélude. Donc, écoutez, on y va. On va aller directement là, ouais, directement. Ah, on aura peut-être pas le temps. J'ai en train de voir le temps. On aura peut-être pas le temps. Si, je pense qu'on aura le temps quand même. Le temps d'y aller. Oui, si, on aura le temps. Sachant que vu que c'est dans une grotte, en général, dans les grottes, c'est bénédiction. Donc, c'est un sanctuaire qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Quoi. Oh putain, j'avais oublié que c'était la merde ici. Allez, hop. Excusez-moi. Okay, il y a un sanctuaire là. Alors, ouais, c'est au sud, là-bas. Alors, il y a certainement des doigts au goût, quoi, hein, mais... Ouh, putain, mais ça, je récupère. Vas-y. Oh, mais il y en a plein. Il y en a plein. C'est une dinguerie. Bah voilà, on n'est pas venu là pour rien aussi. Ok, ah mais le fragment d'étoile, mais il apparaît toujours au mauvais endroit quoi. C'est une blague. On fera le gros saillé par contre un peu plus tard. Hein. Je vous le dis, on fera le gros saillé un peu plus tard. Là, je vais juste faire la grotte. Hein. Voilà, donc elle est là. Alors... Oh, ok. Grotte du pied du plateau de prélude. Pied du plateau de prélude, d'accord. Ah, ça se l'a joué. Ou ça va être très chiant. Ok. C'est pire. Oh my god. Le problème c'est que j'ai plus de bombes donc. Et la dernière, j'aimerais bien me la conserver, la dernière bombe qui me reste. Il faut vraiment qu'on se farme les bombes aussi. Hein. Bah, j'espère que vous n'êtes pas pressé. Hein. Oh, salut toi. Sérieusement? J'ai venu qu'un silex là-dedans, je vais péter les plombs. Oh, ok, c'est bon. Nous voilà là. Ah, mais le problème c'est ça. Et ça, je crois que ça se brise qu'à uniquement avec le... Si je dis pas de bêtises, avec nos bombes. J'espère juste qu'on va en trouver ici, quoi. Par contre, il a été expédié à Perpète les Oies, le machin. Ah, ok. Alors, c'est très grand comme zone. Allez, 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 allez.
Voilà. Ça, c'est fait. Tac. Ok. Ok, ça se pète quand même. Alors, le sanctuaire a l'air d'être là-bas. Par contre, le truc bleu... Alors, le truc bleu, ça se pète pas avec une obo, malheureusement, hein. Donc l'Unobo peut pas péter le truc, mais il me semble qu'il est... Oh, il m'en reste deux quand même, des bombes, ok. Mais normalement les bombes, nous, ça peut péter. Je me suis fait exploser la gueule. Aïe 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 aïe. Super. Et je spawn où? Je spawn devant l'entrée de la grotte. Super. Mais du coup, on fait comment pour péter le truc bleu? Attendez, comment on fait pour péter le truc bleu? C'est peut-être avec la pierre bleue. Ah oui, ce serait pas avec la pierre bleue qu'il y a dans le domaine Zora. Enfin, on se comprend. Genre, je crois que c'est ici, voilà, la grotte du lac de barrage, je crois. On va essayer d'y aller. On va essayer d'y aller. Ouais, mais du coup, faut désamalgamer. Non, non, je peux aller amalgamer avec l'autre truc. C'est compliqué, ce système, hein. Putain. Bon bah vous savez quoi, on fera ça dans l'épisode prochain parce que là on est déjà atterri, voilà on est déjà à 230 minutes, enfin on est déjà à 230, on est déjà à 21 minutes. Donc on se retrouvera pour l'épisode 231 les amis, dans lequel ben on ira s'attaquer à ça dans l'épisode prochain. Donc voilà, on ira se rendre également dans la petite grotte hein, qui est en bas. D'ailleurs je pense qu'on peut même s'y rendre directement parce que vu le temps que ça nous prend pour y aller, on va mettre 5000 ans. Sachant qu'en plus je crois que c'est dans un genre de cul-de-sac. Si je dis pas de conneries, donc je crois qu'on est obligé d'avoir un genre de bateau ou je sais pas quoi. Je sais plus, mais ouais, on va essayer comme ça. Voilà, tac. Tac. Voilà, on va essayer. Alors, je pense qu'on peut y aller à pied, concrètement. Genre, il faut juste bien. Voilà, il faut bien viser. Tu utilises Babine. Voilà. On peut y aller même à pied. Donc ça avec les pierres bleues. Donc on va amalgamer une arme avec une pierre bleue. Parce que là je vous avoue que c'est un truc qu'il nous faut beaucoup. Et ça c'est chiant. Voilà, donc là normalement si j'amalgame une arme avec une pierre bleue, genre par exemple on va amalgamer celle-là. Là. Voilà. Au moins c'est fait quoi. Au moins on a ça. Par contre je veux juste si possible faire ça. Ok. Allô pal, merci. Voilà, donc là on a la pierre bleue. Comme ça au moins on sait jamais si ça peut nous servir. Et du coup, bah ouais, on va s'arrêter devant le truc. C'était ici. Oh putain, il faut revenir. Oh, chiant. Non, mais après, lui, je crois que. Il est finalement. Pas très loin. Donc, comme ça, on s'arrête vraiment devant le truc, quoi. Ah parce que du coup, en fait, on est à l'épisode 230. Il manque deux épisodes pour cette semaine. Enfin, en tout cas, oui, pour. Est-ce que l'épisode 230 est quand? 230, il était. Ok, donc c'est à dire que normalement, vous les aurez dimanche, les deux derniers épisodes de la semaine. Ouais, donc du coup, il faut. Oh. Alors, c'est important, les fragments d'étoiles se conservent. C'est très très bien. Donc, on va y aller directement, c'est moi qui vous le dis. Je sais pas. Alors, je sais pas si c'est le cas dans Breath of the Wild. Tac. Allez, 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 allez. Tac. La fragment étoile. Et voilà. Allez, du coup. Voilà,
on va vraiment s'arrêter là. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode et on se dit à l'épisode 231. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace. Regardez, on se met comme ça, tous les deux. Enfin, tout le monde. Voilà.